Bienvenue à cet après-midi au cours. OK, un cours pour tous cet après-midi. Fait qu'on va faire. Merci beaucoup d'être là. C'est le fun quand tu enseignes, puis que les gens participent. Les gens qui participent ne font pas juste regarder le cours, mais qui participent. C'est vraiment intéressant. C'est valorisant pour celui qui prépare les cours pour le faire. Fait que, OK, on va faire un petit réchauffement. On fait le salut, le réchauffement. Ensuite, je vais vous expliquer le contenu du cours. J'aimerais qu'on porte une attention spéciale. Un petit peu, depuis vendredi, je parle beaucoup du fil conducteur, l'enracinement des mouvements dans le sol. Fait que, ce qu'on va faire aussi après-midi, ça va dans la même lignée. Okay? Je veux qu'on porte attention dans les positions qu'on prend. Nos pieds au sol, est-ce qu'on est bien groundé? Est-ce qu'on prend conscience de la connexion qu'on a avec le sol et qu'est-ce que le sol nous rapporte, nous redonne dans les mouvements, dans les déplacements, tout ça? Ça devient très, très important. Fait que le stage est basé là-dessus un peu. Fait que, c'est de prendre conscience. Bouger pour bouger, pour se dépêcher à faire de la gestuelle, c'est une chose, mais de prendre conscience de notre effet de sol dans chaque mouvement, dans chaque déplacement, ben, va nous donner une meilleure poussée et un meilleur ressenti intérieur, musculairement, dans ce qu'on a à faire. OK, on fait le salut. Oui. Bonjour. Ensemble. Chiamé, bus. OK, on se réchauffe un peu. On bouge. On est bien relax. On bouge. On se sent bien. OK, peut-être que tous ceux qui ont fait des cours, vous sentez tellement des petits traîneurs, des petites douleurs, mais c'est normal. Lors d'un stage, mais on travaille différemment des fois que dans nos cours réguliers. Et là, on demande un effort un petit peu plus musculaire. Puis là, ça crée des petites douleurs. Mais, c'est bon signe, c'est parce que ça a travaillé. Bouge. Ah, OK. Bonjour, itch, lit, stop, sit, stop, hop, sit, hat, go, two, itch, lit, stop, sit, go, hop, sit, hat, go, two, itch, lit, stop, sit, go, hop, sit, hat, go, hey, amis! De côté. Latéral. Rotation. Mental de côté. Hey, amis! Poignet. On taille. OK, les avant-bras. Et on tourne dans l'avant. On taille le côté. De haut en bas. On alterne. Et de côté. Allongé, plié. Allongé, plié. Allongé, plié. Et rotation, épaule droite, vers l'avant, OK, vers l'arrière maintenant. Et l'autre, épaule. Vers l'avant, et vers l'arrière. OK, Yamé, on lève en haut, les épaules, on relâche en bas. Bon, maintenant on vite. Arrière, à avant. En haut, en bas, arrière, avant. OK, rotation des hanches. On taille le côté. OK, le tronc, hitch, ni, stop, switch, go, up, switchy, hatch, coup, jure. OK, jambes écartées légèrement. On va laisser tirer un peu. On détend les jambes un peu.
On bouge un peu les jambes. On détend. Et on relève au pouce. Même chose, deux mains au pied. Une. Nu. Son. Six. Go. Va. Six. At. Go. Jo. Main contraire. Itch. Ni. Son. Si. Go. Va. Si. At. Go. Jo. OK. On lève un peu sur la terre. Torsion. On tourne comme si on voulait aller toucher le mur en arrière. D'un côté. Itch. L'autre côté. Ni. Son. Si. Développer la flexibilité du corps. Go. Va. Si. Arch. Go. Jo. Une fois, vous allez comprendre sur un coup. Itch. Ni. Son. Si. Go. Va. Si. Arch. Go. Jo. On poursuit la chose, mais essayez de ne pas bouger les pieds. On garde les pieds bien ancrés au sol. Ça va? Ça devient plus facile si tu bouges les pieds. Là, on ne les bouge pas. OK? On le voit à gauche. Itch. Ni. Regarde complètement derrière. Ça, on va le plus loin possible. Sit. Go. Va. Sit. Arch. Go. Jo. OK, Yannick. On va passer les arches. Une autre fois. C'est bon. OK, good. OK. Même chose. On descend. Oizuki. À genoux. Compris? En bas. On revient. On change de côté. Oizuki, on descend. Sok. Sich. Go. Va, le genou jusqu'au sol. Si, balle du pied vers l'arrière. Go. Va. Si. Arch. Go. Jo. Itch. Nip. Saut. Sitch. Go. OK, Yamé, on le tape. Attention. C'est bon. OK, mais. Écarté, on va toucher le pied à la main contraire. Itch, mi, centre, si, go, va, si, arch, coupe, jo. OK, on lève le genou droit, on tire sur le genou, plus haut possible, on amène le genou à l'épaule, on tourne de côté, comme un marochi. On revient au sol. L'autre jambe. Lève le genou. Et haut. Tire, détend. De côté. Comme ma voici. Même chose, on descend. L'autre jambe, même chose. Itch. Tire sur le genou. Ni, de côté. Sans, on descend. L'autre jambe. Itch. Plus haut le possible. Ni. Ça, on a ça. OK, good. Au camp, même chose qu'on a fait l'autre jour, le cours, lève le genou, dépose en arrière, reviens lève très haut, descend en haut dans un coup de souffle qui revient. Ensuite, on change de jambe. OK? On passe en droite, et en bas, ni, monte, descend. L'autre jambe, et ni, sort, descend. Sit, go, va, descend. Go. Va. Si, descend. Arch. Coupe. Jou. Descend. Itch. Ni. Sans. Si. Descend. Go. Va. Si. Ah. Monte le genou le plus haut possible. Coupe. Jou. Itch. Ni. Sans. Si. Go. Va. Sip, arch, coupe, jou. OK,
la main. On détend un peu. Là. OK. Déplacement. Ankibodachi. Yoko. Yoko, Sashi, Ashi. Tachi. Pousse ici. L'autre côté. Ni. Sans. Six. Go. Va. Si. Arch. Coupe. Jou. OK. Même chose. Jambe droite. Tu croises en arrière. Je monte de dos. Tu croises en arrière. Tu bouges la jambe gauche. En avant. Tout le monde est convenu. On y va. Jambe droite à gauche. Pied en arrière. Bouge la jambe droite en avant. Qui va le chip? L'autre, jambe gauche, pisse en arrière. Ni, qui va là-dessus. Son, stick, go, va. Stick, arch, coupe, jou. It, ni. Son, stick, go, va. Stick, arch, coupe, jou. Hey, amé! On est un peu. OK. Jambe gauche en avant. Léger. Marguerite. Hitch. Détendu. Ni. Sans. Sit. Go. On change de jambe. Même chose. Très détendu. On réchauffe la respiration. Hitch. Ni. Sans. Sit. Go. OK. L'autre jambe, même chose, mais un yoko qui est allé. Itch, ni, sans, si, go. Et l'autre jambe, même chose, itch, ni, sans, si, go. L'autre jambe, un shiro, itch. Ni, sans, six, go. Et l'autre jambe. It, ni, sans, six, go. Et l'autre étape. On bouge un peu. On relaxe. OK. On a la jogi. Parfait. OK. Le cours, cet après-midi pour tous, on touche le concept d'expansion-contraction. Le concept d'expansion-contraction, ou c'était mieux contraction-expansion, on peut l'inverser, tout dépendant du travail qu'on fait. En karaté, bien, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans notre travail martial. Compris? Mais souvent, on n'en prend pas conscience. Ce que je veux aujourd'hui, après-midi, c'est dans les petits exercices qu'on va faire, c'est prendre bien conscience de ça avec notre effet de sol. Compris? Et expansion de contraction, il y a ça dans la vie courante, à l'extérieur. Okay? Il fait beau, il fait chaud, les matériaux prennent l'expansion. Il fait froid, les matériaux font une contraction. Compris? Exactement comme nous autres, les humains. Il fait froid, on se contracte. Il fait chaud, on se dilate. On prend l'expansion pour prendre le plus de soleil possible. Donc, c'est exactement ce qui va se passer durant le cours. On va commencer par des petites choses simples. Compris? Mais, au fur et à mesure, on va rajouter des accessoires. OK? Good. Et si jamais vous avez des questions, je l'ai dit au début du stage, ben, gênez-vous pas pour ouvrir votre micro, venir la poser. Ça va? N'ayez pas peur de m'interrompre. Et si c'est assez clair, vous faites ce que vous pouvez. Durant l'exercice cet après-midi, il y a des choses qui vont être plus difficiles pour certaines personnes. Ben, vous faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas le faire, ben, vous regardez, vous observez et vous analysez tout ça. OK? Good. OK? Premièrement, on
cerveau, on savait ça, on sent la contraction au niveau du torse. Et l'autre compte, on rouvre grand, on prend, on donne une extension, une expansion au torse. Oui. Stop. Six. Go. Rot. Six. Arch. Coupe. Go. OK, jamais. Voilà. OK. Vous venez les voir. C'est comique, c'est vraiment le fun. On serre dans nos bras, on crée une contraction au niveau du torse à l'intérieur, mais au niveau du dos, on crée musculairement une expansion. À l'inverse, on rouvre le torse, on crée une expansion de face, mais au niveau du dos, on crée musculairement une contraction. Voyez-vous? Expansion, contraction est toujours omniprésent. L'important, l'après-midi, c'est d'en prendre conscience. OK? OK, maintenant, on prend le deuxième coup de sou. On prend le deuxième coup de sou. On retire la jambe avant. On appelle ça ikikumi. Retire la jambe avant. Contraction. On pousse expansion. On change de jambe. OK? On y va. On se place. Ich, ni. So, sich. Go, rock. Six, arch, coupe, jump, each, knee, stop, six, go, up, six, arch, coupe, jump. OK, amé. Bon, c'est bon. Venez-moi le concept avec les femmes. C'est important, OK? Maintenant, on va prendre la position Kukutsudachi. OK? On prend la position Kukutsu. Une chose importante dans la position Kukutsudachi, c'est de ne pas être trop long. Il faut que tu approches la ligne, l'intérieur du talon devient l'extérieur de l'arc. Compris? Au cas, même chose, tu avances. Contraction, le pied en avant, tu avances le pied arrière vers l'autre pied. Contraction, tu ressors avec les jambes, expansion. Ça va? On y va? Il n'y a pas de mouvement bon, c'est juste pour nos jambes pour être en contact avec le sol. Ich, ni. So, sich. Go, va. Sich, arch. Coup, jump, each, knee, stop, sit, go, up, sit, arch, coup, jump, each, knee, stop, sit, go, up, sit, up, coup, jump. Hey, amé. Mon état, good. Prochain exercice, toujours avec les jambes, avec l'autre position de base, la kibonacci, même chose, yoko, sashi, ashi. Yoko, sashi, ashi, le nom de poudre, le déplacement. On ramène la jambe gauche, contraction. Au pied droit et expansion en poussant le pied droit. Tout le monde a compris? On y va. Kibonacci, gauche vers la droite. Ich, ni. À l'opposé maintenant. Droite vers la gauche. Ich, ni. Sop, si. Go, re. Sitch, arch. Coup, jump, inch, knee, soft, sit, go, up, sit, out, coup, jump, inch, knee, soft.
reach. Go up. Reach. Up. Go. Jump. Hey, I'm a good. C'est bon? Yes. Quand vous bougez, on essaie que le haut du corps reste immobile. Ça va, exemple, attention, là, on vient de faire, il y a des gens qui font ça, et le haut du corps, il bouge. Si ton haut du corps, tu ne le contrôles pas, ça va être difficile pour toi d'avoir du ressenti avec l'emprise du sol. Il faut maîtriser comme il faut ton axe pour bouger le solide. OK? Good. On y va maintenant en position chisantaille. OK? On va armer le gadan barai en ramenant la jambe gauche. Itch. Et on ne bouge pas. On est en contraction. Ni expansion aux incoutus. On revient. Position. Toujours le même côté. Bouge côté gauche. Itch. Ni. On revient. Même chose. Itch. Ni. On revient. Itch. Ni. On revient. L'autre côté maintenant. Ça va? Important. Quand tu arbres, regroupe. Flexion. Bonne contraction. Rentre gadan barai. Rouvre grand la hanche. Boum. Au maximum. Pour créer le maximum d'expansion. OK? Au niveau du torse. On y va. Itch. Ni. On revient. Même jambe. Itch. Ni. On revient. Itch. Ni. On revient. Itch. Ni. On revient. Itch. Ni. On revient. Good. Hey. Il y a mis un relâche un petit peu. Parfait. OK. Vous voyez, c'est des mouvements que vous faites naturellement dans n'importe quel mouvement dans vos cours de karaté, etc. Sauf que là, ce que je veux, c'est que vous preniez conscience qu'est-ce qui se passe avec ton corps dans la gestuelle que tu poses. Compris? Et quand tu en prends conscience, bien souvent, tu vas pouvoir ajuster et mieux t'exécuter en fonction d'être bien avoir une bonne emprise au sol. OK. Même chose. OK. Jambe gauche. Arme. Avance gadan barai. Itch. Ni. Rentre gadan barai. OK. Maintenant, retire la jambe avant à l'autre pied. Arme. L'autre camp. Ravance gadan barai. Ni. Son. Même chose, deux camps. Itch. Ni. Son. Si. Go. Go. Itch. Hatch. Coup. Tchou. Itch. Ni. Sop. Sit. Go. Hop. Sit. Hatch. Coup. Tchou. On y va, un camp. Itch. Ni. Sop. Teach. Go. Up. Siki. Achi. Coup. Njo. Hey, I'm in. Good. Bien. Quand vous retirez, vous armez les bras, assurez-vous d'avoir les bras bien, les coudes ensemble. Le torse bien fermé. Tout est bien fermé. Tout le monde a compris? Important de faire attention pour pas que le coude monte au visage. Le coude reste en bas. D'accord? Good. Parfait. OK. On prend la position Kokutsu. Position arrière. OK. On ramène la jambe avant. Itch. Contraction. On repousse la même jambe, même jiuke. Ça va? On revient, hitch, même côté.
ni. Toujours le même côté. Sans. On travaille toujours du côté droit. Sans. Toujours du côté droit. On est prêt? Six. Quatre. Groupe. Deux. Huit. Neuf. Sans. Six. Go. Up. Six. At. Coup. Jump. On continue. Un count. OK? Dans un count, tu rentres et ni. Tu sors. Toujours la même jambe. Ni. Contraction. Semble bien avec tes bras. Les jambes sont fléchées. Rent. Poussez du sol. Un count en souplesse. Hic. Ni. Sam. Six. Go. Va. Sitchi. Achi. Go. Hey, Joe. Hey, Amélie, on relaxe un peu. On va faire la même chose avec le jump. OK? On est prêt? Jambe gauche en arrière maintenant. Coup de pied là-dessus. Hey, même chose. On rentre. Arme, même jambe, OK? Même jambe, jambe gauche, recule. Même jambe. Itch. Knee. Stop. Six. Go. Go. Six. Ash. Go. Go. Même chose. Itch. Ni. So. Six. Go. Go. Six. Coup. Go. Hey, Amélie, on relaxe le pot. Parfait. Good. OK? Vous voyez que dans ce mouvement-là, il n'y a pas juste le principe d'expansion-contraction ou contraction-expansion. Il y a beaucoup d'autres choses qui travaillent. Compris? Mais là, ce que je veux mettre l'accent, c'est juste sur ce concept-là. Ça va? Il y a le déplacement, la translation, les différents transports d'énergie avec la rotation des hanches, la vibration, translation, etc. Tout ça, c'est présent. Mais là, on met plus l'accent sur l'expansion et la contraction. OK? Même chose, regarde ici. Un, tu vas armer. Itch, tu changes de jambe. Nick, tu changes de jambe. Sump, tu changes de jambe. Six, tu changes de jambe. Compris? Un compte, tu rentres, contraction, puis tu changes. Non. Mais ce que je veux, c'est vraiment que tu sentes, vraiment que, hop, tu sens, et saisis au sol, poussé. Le sol, te donne l'expansion. OK? On y va. Jambe gauche en avant, s'il vous plaît. Compris? On va armer. Hitch. Même compte, l'autre côté. On a en alterne. Ni. Hup. Son. Hup. Six. Hup. Go. Et ça. Hup. Et ça. Six. Et ça. Achi. Et ça. Coup. Et ça. Aïe. Même chose un peu plus rapide. Ça va? Je veux voir plus d'explosion. Ça veut dire qu'au lieu de marcher toujours au même rythme, quand tu vas en contraction, bam! Expansion, explosion, explosion, explosion. Tout le monde a compris? On y va un compte? Et
Some. Six. Go. Huh. Six. Hachi. Go. Go. Hey, good. Hey, yeah, man, relax your foot. C'est bon. Mon détail. Souvent, on utilise ce concept-là tout le temps. On y est toujours omniprésent dans notre entraînement. Sauf que on ne prend pas le temps de saisir pour justement créer la contraction. Ensuite, bam, créer l'expansion. Ça va? OK. Prochain exercice, OK, avec Kiwadachi, OK, en déplaçant la jambe gauche vers le pied droit, OK, Jujiuke, Gena, contraction, et on bouge la jambe droite, Kiwadachi, Morate, Udeuke, Jola, on revient, on commence, Kiwadachi, on essaye, toujours, on va vers la droite, OK? X, ni. On commence. On tord, on place. Ben, on ne combinera pas les deux. On va faire un seul, puis on va faire l'autre, on va combiner. X, ni. On revient. Une fois. X, ni. On revient. Good. Une fois. X, ni. On revient. OK? On fait attention quand vous faites du jiu-jitsu. Ce que je veux, OK, c'est que tu vas frapper vers le bas. Et non juste placer les deux bras en avant. Il faut vraiment que tu sens que cette contraction-là de tout le corps, à partir du sol jusqu'au bout des doigts. Oh, bam! Même chose de l'autre côté. Ça va? On y va avec l'autre bord. OK, on déplace à droite vers la gauche. X, ni, ha! On revient, on commence. X, ni, ha! On commence. Som, six, on commence. Go! Ha! On commence, c'est bon. Six. Ach. On commence, c'est bon. Yes. Une fois. Go. Un. Good. Une fois. Six. Achi. Dernière fois. Go. Joe! Hey, mais on relaxe un peu. OK, pour les ceintures noires, marron noir, ça fait un petit peu plus simple dans le travail qu'on fait. N'oubliez pas que c'est un cours pour tous. On est des gens de ceinture blanche en montant dans le cours. Donc, il faut que le travail se fasse, mais ça doit être assez simple aussi. Ça va? OK. Là, maintenant, on fait la même chose, mais on va combiner les deux. Ça veut dire que un, each, ni. Itch, knee, itch, knee. Compris? On travaille beaucoup. Pam! Contraction. Ça va? Solide. Pam! On y va. Kiwadachi. Kiwadachi. On s'en va à droite. Itch. Knee. Sam. Sitch. Go! Va! Sichi! Achi! Go! Go! Hey, y'a meilleur relax, le coup d'état! Go, là, c'est bon! Ah! Vous êtes bon! Vous êtes bon? Yes! Bon et bonne, hein? Good!
Prochain exercice. Contraction, expansion. Regarde. L'esprit. Un. Position que vous utilisez un coup de sous. Tu retournes, tu reviens ici. Hop, viens en bas. Flexion. Les deux genoux. Contraction au sol. Deux pas. Expansion. Un. Et deux pas. Est-ce que ça va? Tout le monde a compris? Good. Yes. Vous avez des beaux pouces, hein, pour tout ça. J'espère. On y va. Un coup de sous, s'il vous plaît. On y va. Flex. Point contraire à la main. En ramenant, flexion des deux genoux, bien ancré au sol, centre de gravité vers le bas, armé calambara. Hit. Ni. Stop. Calambara. Si. Go. Re. Sit. Arch. Coupe. Jump. OK, Yamé. Je regarde. Regardez un petit peu ici. Je vais le faire de face pour que tu vois bien ce que vous faites. Ce que je vois, il y a des gens qui font ça ici. Hitch, il tourne le corps complètement. Non. On ne tourne pas le corps. Si tu tournes le corps, tu crées un mouvement d'expansion. Compris? Je veux que tu contractes. Hitch. Tu restes, regardez, l'angle est là, sur le barrage. Et la même angle que ici, en un coup de sous. Même angle, ici, les jambes sont plus ici. Il n'y a pas de mouvement de rotation exagéré. OK? Pourquoi? Pour créer réellement cette contraction-là, cet effet compact. Hitch. Explose. Ni. C'est bon? On commence deux fois. Jambe gauche en avant. Hitch. Ni, hop, sam, si, c'est bon, go, un, si, arch, coup, jump. Une fois, un compte au complet, attention, les deux genoux, feeling, bam. Pique les deux genoux, rentre comme ça, dans le sol. Bam! Poids explosé. Tout le monde a compris? On y va. Un corps au complet. Mais prends le temps. Contraction, expansion. Hit. Nip. Stop. Sitch. Go. Sinti. Archie. Coup. Jump. OK? Trois comptes. Vitesse avec les kiai. Kiai, deux kiai. Kiai, vous gagnez le barrage. Et un. Et un. Tout le monde a compris? On y va? Trois comptes. Et Sankai! Allez, la meilleure étape. Good, bel job. C'est bon, yes. C'est bon, on détend un peu. Oui, ça travaille les jambes. Mais pourquoi? C'est justement être capable d'être en contact. Souvent, les gens, en général, ont beaucoup de difficultés à être stables sur leurs jambes. Les jambes, quand ils amorcent une technique, la jambe porteuse, elle bouge tout le temps. Il faut que la jambe porteuse, quand tu fais une technique, elle doit stable si tu veux rendre la technique avec kimé et efficacité. OK? Jambe droite de là. Point contraire. Même chose de l'autre côté. Deux cantes. Hit. Ni. Hit. Ni. Hitch. Ni. Gyakuzuki. Gyakuzuki. Point renversé.
À la jambe. Coup de poing renversé à la jambe. Itch! Lambert, ni! Coup de poing renversé. Stomp! Lambert, stitch! Go! Siki! Achi! Coup! Jaw! Un compte au complet. Hic! Mi! Sa! Siki! Go! Thank you! Siki! Achi! Hey, Joe! OK, trois fois, trois comptes qui aillent. Vous avez compris? Ça veut dire deux qui aillent. Deux. Correction, qui est la marée. Bam! Gapuzuki, expansion, qui aille. Trois comptes. Et! Ni! Shankai! Hey, avec nous! On fait les pas encore plutôt. On relaxe un peu. OK. Parfait, on prend sa place. Bon, salut. Boss. OK. Prochain exercice, un petit peu plus compliqué, je vais vous le montrer. OK? Jambes, les jambes en position de combat. Un, rotation vers l'arrière, opposé, contraction en glissant vers le sol. X. Compris? Deuxième corps, Hurricane Gakuzuki expansion. Je fais dos à toi, jambe gauche en avant, je fais une rotation en bougeant le côté droit. Compris? Je regarde à ma droite en arrière et je rentre Hurricane Jordan Gakuzuki Chula. Tu vois, t'as compris? On y va, je la refais une autre fois. Regarde, un, dix. Oups, ça visse, rampe, et reviens de l'outil. Deux comptes. Premier compte, visse. Deuxième compte, expansion Zen Kutsu, puis reviens de Joda, et une gâteau de Kichida. OK? On y va. It, ni, pas. En une fois. On est prêt à deux comptes. It, ni, bam, bam. Et ça, une fois. X. Ni. Bam, bam. Yes. Une fois. Prends le temps de bien écraser dans le pivot. Compris? Rentre au sol. Voir exploser, faire l'expansion. On y va. X. Ni. Bam, bam. Une fois. Même chose. X. Ni, pam, pam. Une fois. Hic, ni, pam, pam. Une fois. Hic, ni. Une fois. Hic, ni. Une fois. OK, Yamé, on relaxe un peu. Détendu. OK. Quand tu le fais, si tu veux garder ton équilibre, il faut absolument que tu visses vers le sol. Hitch vers le sol. Compris? Vise vers le sol. Hurricane, c'est pour que ça, tantôt dans le
réchauffement. Et venez. Est capable de flexibilité au niveau du tronc. OK? Un autre jump. Jambe droite devant. Même concept. Hit. Nixon. Parfait. Une autre fois. Jambe droite. Hit. Nixon. Parfait. Même chose. Hit. Nissan. Parfait. Une fois. Itch. Nissan. Good. Une autre fois. C'est bon. Même si vous perdez l'équilibre un peu, c'est pas grave. On y va. On continue. Itch. Nissan. Une autre fois. Même chose. Itch. Nissan. Fois. Hit. Ni son. Une fois. Hit. Ni son. OK, good. On change de jambe. Jambe gauche à la droite. OK. On y va dans un seul camp. Tout le monde a compris? Vis, contraction. Tu peux faire une petite pause là, dans le même camp, et tu enchaînes les raquettes de l'autre dame qui a pu tu là. OK? Jambe gauche en avant. Jambe arrière à la bouche. Hit. Pam, pam. Même chose, toujours la même jambe. Ni. Ah, ah. Une fois. So. Ah, ah. Une fois. Si. Ah, ah. Une fois. Go. Un, change de jambe. Jambe droite, même chose. Un camp. On y va. Échec. Parfait. Nu. Et ça. Une fois. Somme. Et ça, et bon. Voilà. Suivi. Et ça, une fois. Et go! Kai! Ah! Et y'a le! Yo! On relaxe un peu. OK, où est-ce qu'on va se corbler? OK. Ouf. Et on va faire une petite combinaison de tout ça. Tout le monde a compris? OK, good. Et contraction, jambe gauche. Expansion, contraction, gâteau. Quelle est la marée, gâteau? Ça va? Un, deux, trois. Tout le monde a compris? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez compris, je l'ai fait de côté. Each, knee, stop. Stitch, go. Up, stitch, hatch, coup. Est-ce que tout le monde a vu? OK, good. On y va. Je place. Jambe gauche qui bouge. Itch, knee, sang. Je dis OK, get out. Stitch, jambe la jambe là. Déplace l'autre jambe. Knee, reviens. Itch, knee, stop. Stitch. On revient une fois. On est prêt? Même chose. Itch, knee,
sont Sitch, go. Rock, Sitch, go. Now, what's the story that gets you kicked? Back, get in my eye. Beaucoup de choses. Sitch. On a fois, on commence. Même chose. Itch, knee, sort, Yakuzuki, Sitch, Yuji, go, Moratin, Sitch, armé, go, hop, Sitch. À une fois, on est prêt. Itch, knee, sort, Sitch, go, rock, Sitch, hatch, coupe, et on revient une fois, un seul camp, ok, un split, un seul camp, un split, on y va, ou si on se le taille, Sitch, Sitch, go, rock, Sitch, hatch, coupe. Une fois, toujours même jambe, knee. Une fois, même jambe, saut. Et bon, on a une fois, on a un petit peu plus de vitesse, ok? Hitch! Une fois, somme! Une fois, c'est bon! Hein? On fait deux fois avec un kiak. Hey, une fois, dernier kiak. Sors! Hey, good! Hey, on relaxe un peu, c'est bon. Bel job! Ça. On est prêt? Good, on relaxe un petit peu. Pousse. OK. On y va avec l'autre jambe. D'accord? On déplace à la gauche. Armé, bang, bang. Armé, déplace à la droite. Compris? Armé, toujours la droite. Ram, revient. Là, on y va avec la gauche, du côté gauche. Armé, bam, bam. Reviens. Bam. Reviens. Bam. Ram. Ah. Gagne de bras. Ça va? On y va ensemble? On déplace à gauche. On décompose. Un corps de mouvement. Itch. Ni. Sol. Sitch. Go. Rock. Sitch. Hatch. Coup. Un autre fois. On est prêt? Ne, son, Yakuzuki, Sitch, Hatch, Coup, Jup, Itch, Ni. Good, c'est bon. Une fois, Itchy, A, Ni, Gelambara, son, Yakuzuki, Sitch, Jiji, OK, Go, Morote, OK, Sitch, Armé, hey, Menji, OK, Nagashi, OK. Hey, get in line. On y va. Une fois. Itch. Nip. Stomp. Sitch. Go. Hop. Sit. Hatch. Coup. Hey, yamé. Une fois. Un camp. Au complet. Un souplesse. Itch.
Une fois. Ni. Une fois. Dernier en souplesse. Stop. Une fois. OK, deux fois. Vitesse, c'est qui aille. Tout le monde a compris? On y va. Et tu. Une fois. Nikai. Oussa. Good, bon travail. Pousse, on relaxe un peu. OK. On peut prendre un petit gorgado avant de finaliser ça, le dernier exercice. OK, on est revenu. J'ai une petite question pour vous autres. OK? Ceux qui, la personne qui voudra me répondre, ben, alors, juste ouvrir ce micro, venez me le dire. OK? Petite question. Dans le concept expansion-contraction qu'on a travaillé depuis tantôt, OK? Quel quatrième représente réellement ce concept-là exactement? Quel quatrième? Je ne vois pas. Le cinquième? Y en a-t-il d'autres qui ont une autre réponse? Le petit doigt? Hein, le premier kata? OK. Chaque kata a quelque chose dont tu dois faire ressortir. Je donne un exemple. Quand tu commences ceinture blanche, on fait Yang Shodan. La première chose de base que tu dois faire ressortir et mettre du travail, c'est sur le Zen Kutsu. La position en avant. OK? Mettre l'emphase là-dessus quand tu es simplement. Quand tu finis ton kata Yan Shodan, on termine avec un Kokutsu. Le deuxième kata Yanidan que tu dois faire ressortir, c'est justement ce Kokutsu-là dans le kata. Il doit s'améliorer. Ensuite, tu dois, dans Yanidan, aller chercher les combinaisons de mouvements. Et ensuite, dans Yanidan, tu dois faire le travail pour aller chercher, travailler, faire ressortir le Gyaku Omni, mouvement contraire. Compris? C'est quelque chose dont tu dois aller chercher pour améliorer ton Yanidan pour devenir une ceinture orange. Ceinture orange, qu'est-ce que tu dois aller chercher, faire ressortir? C'est tout ce qu'il y a dans Yanchodan, dans Yanidan, mais tu dois aller chercher ton Kibodachi. Compris? Et tu dois aller travailler sur les techniques simultanées. Bam, bam. Ça va? Et sur la vibration des mouvements. Yan Yondan. Ah, Yan Yondan, c'est un kata Yan où on touche différentes positions, différents mouvements. Compris? Différents déplacements. Ça va? Mais le concept important à faire ressortir dans Yan Yondan, c'est justement contraction, expansion et expansion, contraction. Important. Et Yan Godan, tu dois faire ressortir quoi? Ah, la coordination du corps avec les mouvements. Bam, bam, hop, tout est coordonné. Compris? Et tu dois démontrer ton agilité dans le saut. C'est des concepts que chaque kata qui doit être ressorti dans chacun des kata. OK? Si tu ne le savais pas très, si tu ne le savais pas, tu viens d'avoir l'information. Ça veut dire que là, on termine le cours avec Yan Yondan. Compris? Puis, à chaque mouvement, je vais vous montrer, pour vous faire comprendre où est la contraction, où est l'expansion. Puis, je pense que les ceintures avancées, vous le voyez déjà. On commence. Saluer. Et. Kata, Yan Yondan. Good. Ichi. Ni. Alors, il est inconscient. Et. On va le groupe. Ich, contraction, ni.
Éric Armé, expansion irakienne, PAGMB. On regroupe, contraction, même chose, irakienne, PAGMB. On regroupe, expansion, Mali, expansion, contraction, irakienne, Uchi. Pivot, expansion, Mali, Ozuki, Ozuki. Même chose, Ni, Baba, Sam, Motoke, contraction en main, Motoke, contraction en main, Motoke, expansion, Tissuigiri, contraction, expansion, en main, contraction, expansion. Yami. On y va une fois. OK, en souplesse, je viens de te montrer où il y a contraction, où il y a expansion, où il y a expansion, où il y a contraction. On est prêt? Salut, hein? 14, Yananda. Yon. Ichi. Ni. L'autre jambe en avant, la jambe gauche est en avant. Sam! Six, go! Hatch, kuju! Itch, ni! Sam, six! Itchi! Ni! Sam, six! Go! Hop, siach, ku, ju, ich, ni, sam, sich, go, hayo, yami, yoy. C'est bon, saluez, hein, ouf, ok. Un petit conseil, quand vous tournez, vous êtes en position kokutsu là-dessus. Je vous donne un exemple. Si, après le requête, pour le regard, je tourne 45 degrés. Pour faire attention, le 45 degrés ne se prend pas avec la jambe en avant. Le 45 degrés se prend avec l'axe. C'est ton axe central qui est dans le 45. Et cela va te permettre, dans les deux côtés, d'arriver au même endroit que ton point de départ. Les gens souvent prennent le 45 degrés. Mais avec le pied avant. Mais arrêtez, c'est le 45 degrés se prend avec l'axe central de ton corps. D'accord? Good. On n'oublie pas aussi que après le bloc Kakiwokioke, okay, c'est Maïri Jodan, Oizuki, Kime, Shomen, Oizuki, Gekuzuki, vibration. D'accord? Parfait. Dernière fois, je vous donne comme vous départ, vous le faites du début à la fin. Dernier training. Saluez. 14. Dernier mal. Oui. Adjuvé. Hey, Yamé! Salut, Ré! OK, good! Hey, vous avez fait un bon entraînement, c'est super! OK, c'était le cours d'aujourd'hui, expansion-contraction. Vous voyez que partout où on travaille, c'est omniprésent en tout temps. C'est omniprésent dans toute ta vie. Partout, à l'extérieur, en dehors du karaté. Mais c'est une belle façon de comprendre ce qui se passe pendant qu'on dans notre travail. Et quand on comprend ce qui se passe, ben je pense que notre évolution,
notre compréhension, notre ressenti dans chaque geste qu'on pose au niveau de cet art martial-là devient plus facile. Compris? OK. Demain matin, dernier cours du stage, on va faire, je vous donne le sujet demain matin, OK? Demain matin, on fait une petite revision de tout ce qu'on a vu et petite revision. Ensuite, on va faire du sen-no-sen en hippon-kumité. Ceux qui vont pouvoir travailler deux par deux vont pouvoir travailler deux par deux. Ceux qui sont seuls, bien, on va travailler seul. Compris? Mais on va savoir comment faire. Ça va? Good! On va faire le salut. Pousse! Yoï! Tchou! Et un gros merci pour votre présence. Vous êtes super et je suis très content de vous voir. Yes. Good.